J'ai récemment fait un cachage contre la police. J'avais dit en vidéo que si j'arrivais à ne pas me faire repérer, j'allais faire un setup gaming secret dans la même villa contre ces policiers. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Mais j'avais une seule contrainte, les policiers savaient que j'étais à l'intérieur de la maison, car Nono leur avait dit. Réveille là, oh. On va manger quoi là? Donc faut savoir qu'en dessous il y a Nono, Power Jumper, Overtake et Théo qui sont prisonniers de la police actuellement à l'heure actuelle. Mon objectif, parce que je me suis pas fait repérer, c'est de créer un setup gaming secret contre la police sans me faire repérer. Parce que Nono, bah voilà, il a dit que j'étais là. Donc j'ai un plan en plusieurs étapes. La première étape de mon plan va être d'essayer de libérer un des prisonniers pour qu'il puisse m'aider. Ensuite on va devoir récupérer mon setup. Après l'avoir récupéré, il va falloir trouver un endroit où mettre mon setup gaming secret. Et bien sûr, objectif final, ne pas se faire repérer par les policiers. On passe à la première étape du plan, déjà aller surveiller et essayer d'aller libérer les capturés par la police. Donc à ce moment là je décide de descendre parce que je n'entends plus les policiers à l'intérieur de la maison. Parce que oui, ils étaient partis faire un interrogatoire à Nono à l'extérieur pour soutirer des informations concernant ma localisation. Du coup j'en profite et j'essaie d'en libérer. Les gars, c'est comment? Ouh, des prisonniers. Moi j'ai faim, moi là, c'est pas cool. Tu peux. Non, en vrai, je t'explique ce qui se passe. C'est un petit cache-cache, j'ai gagné le cache-cache. Bon, tu veux pas nous dire où est ton pote? Comme ça, tu manges McDo avec nous, non? Tu veux pas un petit McDo? Ouais. Tu manges quoi, toi? Un McFirst? Là, j'ai un objectif, un deuxième objectif. Faire un setup gaming secret. Faut peut-être trouver les clés. Mais elles sont où les clés? C'est vous qui êtes avec nous? Non, pas les clés, nous ramener à manger d'abord. Non, ouais, ferme ta gueule, tu vois bien que tu manges assez, toi. Bon, là, l'objectif, c'est de pas me faire repérer. Enfin, eux qui sont là-bas. Ah, mais ça me revient. J'ai cru voir quelqu'un sur le trampoline. Parce que là, ils sont en train de prendre des informations sur moi en plus. Ouh, je cours. Hop. Regardez ce que j'ai trouvé. Ouais. Ok, Théo, tiens-moi ça. Faut que je fasse vite. Parce que je pense qu'on va pas tarder avec nous. J'ai une paire. Ok, j'ai ma paire de clés. Attends, en vrai, j'essaye. Ouvre-moi, s'il te plaît. Oh, libéré. C'est bon. Non, ça marche pas, les gars. Pas la bonne clé. Non. Mais moi, j'ai. Bon, les gars, Théo, viens avec moi. On essaie de trouver les autres clés, on revient. Ok, vas-y. Ils arrivent. Vite, viens. Oh, vite. Je t'explique mon plan au-dessus. Wow. Y en a un qui s'est évadé. On y va. Vite. Il est où? Il est où celui qui était habillé en rouge? Il est où l'autre là? Il est parti manger. Il est parti. Qui l'a détaché? Ok, on va faire ma clé, ok? Objectif. Mais on se casse d'ici, frère. Non, je dois faire un setup gaming secret. Ouais, non, mais moi je peux dire. Il est où? On t'a dit. Trampoline. Ah, ça fait 6 fois qu'on nous dit trampoline, à chaque fois y'a personne. Tu vas les croire à chaque fois ou quoi? Tu peux arrêter de parler comme ça? Moi, ce sera un but testif de stress. Et j'ai un problème, je t'ai libéré vite. J'ai ramené mon setup. Première étape, trouver un emplacement. T'as ramené ton setup? Ouais, première étape, trouver un emplacement où faire le setup. On te voit, ça y est, hein. On va pas se faire avoir deux fois. Vas-y, fouille-moi ça là. Fais-moi une fouille intégrale. Tu me fouilles ça ou quoi là? Il y a une maison là-bas, essaye de fouiller l'intérieur. Vas-y. Rentre vraiment dedans pour voir s'il y a quelqu'un en fait. Il y a quelqu'un ou pas? Bon, je crois qu'il y a personne. Là, il y a rien de signal. Je fais beaucoup de bruit. Là-bas, là? Ça me rappelle grave à ma villa. Mais il fait chaud? Ouais, il fait super chaud. C'est énorme ici. Tu penses qu'on fait ici? Ouais, ça se fait. Ouais, tu fais là, non? Derrière le lit, c'est bien. Et on peut jouer. Vas-y, on le fait ici. Ouais. On a trouvé l'emplacement pour faire la salle secrète. Ça va être en fait derrière un lit. Théo? Je suis pas là. Je suis là. Hop là. Je suis là. Prochain objectif. Là, ça va être dur. Aller chercher le setup sans se faire repérer. Une fois que c'est bon, on attend une seule chose, c'est que les policiers sortent à l'extérieur pour qu'on puisse de notre côté aller récupérer mon setup. Alors, les gars, ils sont où? Non, trampoline. Trampoline. Vas-y. Attends, prends. Ah merde. Attends, mec, il y a mon sac d'or. Faut que j'arrive vite. Attends. Non. J'ai mon sac à dos. Oh, ma trottinette. On s'en fout de ta trottinette. Ah bon? Ah, il s'appelle les petits. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que j'ai entendu du bruit dans la maison. Et pourquoi tu nous balances? Mais je peux leur en McDo, moi. Vous m'avez oh, y'a Nono. Salut Nono. Monte. Ils sont là. Mais il est con, mais pourquoi il nous... Chut. Mais vite. J'ai tout le monde cette tête. J'ai entendu la porte. Oh, putain. Dominique! Mais comment? Ils vont se moquer de nous au poste là! Ferme-moi. On l'a fait, mec! Let's go! Merde! C'est de ta faute! Dominique, tu arrêtes! Alors, tu arrêtes, Dominique! Qu'est-ce qui a mal menotté l'autre blanc bec? C'est toi! C'est moi? Oui, bah, voilà. C'est toi! Bah, des erreurs! C'est ta faute! On en fait! Oui, mais là, c'est toi qui a fait une erreur! Et alors? Mais Daniel, tu vas surveiller la pièce? On va chercher l'autre! C'est ça qui fait la dégaine! Moi, je veux plus travailler avec toi! Incompétent, Jacques, hein, vraiment? Pardon.
Tout s'est passé pour le mieux, on a réussi à monter le setup gaming tout en haut de la villa. Malheureusement, on n'a pas trouvé de salle secrète où on pouvait aller avec Théo. On va juste essayer de faire un setup gaming et de pouvoir jouer dessus. Et on a failli se faire repérer parce que Overtech qui avait faim voulait nous poucave. Donc là, j'ai ramené mon Pikachu. Les gens connaissent par cœur mon setup. C'est mon setup de transport. Tu comprends ce que je veux te dire? Bah dépêche-toi, dépêche-toi. Bah c'est bon, ok, j'enlève mon PC. Oh, ok, le PC il est là. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'écran sur le PC. Oui. Oui. Ok, objectif numéro 1, trouver une prise, mec. Une ici. Ok. On déroule. Ok, donc on a le PC, l'écran, le Pikachu, Théo avec la rallonge et on a d'autres trucs à l'intérieur, bien évidemment. On a pris le petit Salamèche qui est toujours avec nous. Et comment il s'appelle? Dracofeu, mais pas Dracofeu. Bon, on a essayé de chercher les détenus. L'enquête est en cours, donc franchement. On fait notre mieux, hein, notre possible. Le mec en rouge, on va aller le chercher. Et l'autre aussi. Eh, hey, s'il vous plaît, doucement. Ça va, vous parlez fort comme ça. On va discuter quand même. Il y a des voisins, hein. Bon, allez, on y va. Ah, déjà que les cassés en plus, pour ceux qui ont vu ma vidéo 3.1, vous savez, décasser cet écran. Regarde, on va le mettre juste au-dessus. Comme ça. Et hop, hop, hop. Tiens. Merci, mec. Là, il faut que tu me donnes les doudous. Et je vais les mettre derrière, comme ça, je pourrais me poser dessus. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Oh, mec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste posé notre setup gaming. On n'a pas pu le construire comme on voulait, mais du coup, on a changé nos objectifs. C'était juste de pouvoir jouer tranquillement sur un vrai setup sans se faire repérer. Ah, il y a du bruit, hein. Vite, il y a du bruit. Avoir la main sur le gun au cas où. Oh là là, c'est toujours pareil dans cette porte. Mais arrête de regarder toujours les fenêtres. On n'a pas vérifié cette porte, donc faut la vérifier. Tu viens avec moi? Vas-y. C'est le principe. Hey, si tu veux, je vais la voir, je m'occupe d'elle, ok? Mec, vas-y, vas-y, vas-y. Police, ouvrez! Attendez, je suis en slip. Je me rhabille. Comment ça? À moins vous voulez que j'ouvre en étant en slip. Il y a un mec là? Il est en slip. Comment ça vous êtes en slip, monsieur? Non, non. Réveillez-vous là, entrez, entrez. Il y a que la madame qui rentre, hein. C'est un pervers celui-là. Bon, moi, non, comment ça? J'ai pas envie d'aller voir. Je veux bien regarder, moi. Mais non. Tu peux... regarde. Ouvrez. Bon, c'est bon. Mais viens là, toi. C'est pas possible, là. Il est là. Mets-le sur le lit. Vas-y, allez, on va le plaquer. Allez. C'est quoi ça? Mes chaussures. Et sont où tes chaussures là? Ça, c'est moi, c'est mes chaussures. Tu t'es mis à l'aise. Oui, mais regarde. Tu t'es mis à l'aise. Regarde. Oh, tu parles pas comme ça. Non, la chaussure elle est là. Elle est là. Là, c'est ça la chaussure, ok? Ouais, alors. C'est ça. Mais prends tes chaussures, on va descendre là. Ouais, c'est ce que je. Passer devant? Comment ça passer devant? Passe devant toi. Mais ouais, on va passer devant. Allez, bon, dépêche. Allez, viens, Amory. À ce moment-là, moment très très compliqué. Il y a Théo qui vient de se sacrifier et moi de mon côté, on a construit le setup. Bon, voilà, c'est un peu le setup de la street, mais on l'a construit. Je suis donc resté un peu sur l'ordinateur. J'ai réussi à faire ma petite game Fortnite, à regarder quelques vidéos et ensuite je me suis posé et joué à Clash of Clans. En fait, les gars, Théo il a fait une dinguerie. C'est au lieu de se rendre direct, il les a fait rentrer. Bon, il a quand même géré parce qu'il s'est sacrifié. Mais un rien, je me faisais capturer par les flics aussi. Ok, faut au moins que j'arrive à faire une game Fortnite, les gars. Au moins une game. Enlève tes lunettes, Ça va, on donne un billet, tu me dis oui. D'abord, il va dire. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ah. Tu veux quoi? Un restaurant. Ah, il va à un date. Ouais, c'est tout. Un date, c'est. Donc là les gars, on est en train de tout brancher. Regardez, je branche tout, mais là je crois Théo en bas il est en train de se faire tuer parce qu'il s'est décapturé. Tac tac tac, j'appuie 3, 2, 1. Hop, 3, 2, 1. C'est bon, c'est allumé. Ok, on n'a pas fini la déco. Il y avait mon sac, je sais pas où il est mon sac. Faut que j'arrive à retrouver. Parce qu'en fait dans mon sac, hop, j'ai peur que la police le prenne parce qu'il y a un truc très important. C'est mon casque gaming, ma petite manette que vous connaissez, mes lunettes de gamer. Regardez, hop là. Ouh. Et on a enfin mon trophée YouTube. Donc en parlant du trophée YouTube, moi j'ai envie d'avoir le trophée du million d'abonnés. Du coup je fais une grosse dédicace aux deux dernières personnes qui viennent de s'abonner. Si tu veux ta dédicace, bah abonne-toi frérot. Abonne-toi, en plus ça m'aide, on se rapproche à grands pas du million. Regardez, on va mettre là au fond. On va le mettre sur le côté, le trophée. J'accepte. Il est où alors? Il est en haut, tout en haut, troisième étage, derrière le lit là où vous m'avez interpellé. En fait, je disais les chaussures pour pas vous regarder dans sa direction. Il s'est bien foutu de votre gueule derrière. On a essayé de trouver une vraie salle secrète, c'était compliqué. Mais là, c'était vraiment pour jouer avec la police et essayer de les arnaquer un peu, quoi. Ouais, je suis carrément en train de jouer à Clash of Clans tranquillement pendant que les autres ils sont avec la police. C'est marrant. En plus, je les entends, ils sont en train de s'embrouiller. Maintenant, dès que ce soir à 21h, je paye tout. Et t'as intérêt à te faire belle, hein. À ce moment-là, je pensais que tout allait être bon et que j'allais pouvoir jouer tranquillement, rester dans mon petit setup gaming et pouvoir m'enfuir de la police. Mais Théo, pour avoir un rendez-vous amoureux avec la policière, a dit où j'étais. Eh, hey, non, s'il te plaît, doucement. Bon, tu te ramènes. Parce qu'à cause de toi, j'ai un date là. Hein, avec, il est même pas bon. Ok, faut que je parte, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Je me suis bon, derrière le lit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est quoi ce matériel informatique?
c'est que ce bordel là? Mince, il nous a bien eu. Il nous a eu. Tout son setup là. Il y a un sac. Il a tout vidé. C'est un sac vide. Bah oui. Oui, mais c'était le sac. Il a tout mis par terre, tu vois pas? Il a tout mis par terre, son matériel informatique. Il a un sac, on en a rien à f*** de sac. Baisse d'un ton. Viens, on le trouve. Oui, bah va le trouver. Prends la porte, elle se referme toute seule. Ouais, y'a personne. Sortez! Police, sortez! On est armés et on est. Ouais, on passe, allez, je t'ai aux toilettes. C'est le même qu'elle, lui. Police! Je suis en train de chier, c'est pas possible! Hey, c'est quoi le problème là? Sortez de là! Allez, allez! Allez, hop, 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 hop! Non, mais je suis chez moi! Comme ça, t'es chez toi là? Allez! Non, mais je suis chez moi! Comment ça? Je suis chez moi! Comme ça, t'es chez toi? Ouais, je suis chez moi, après vous. Carte grise de la maison? Sors les papiers, sors les papiers! Ouais, je vous ramène ça! Mais regarde, il est parti! Mais plus quelque chose! C'est pas possible là! Putain, les gars, abonnez-vous! Dominique, tu sers à rien! Tu sers à rien, Dominique! C'est moi qui a tout fait, c'est moi qui a tout trouvé, j'en ai marre! Oh, je suis foutu! Je suis foutu! Cours, cours, cours! Oh putain, il s'est barré où? Ok, je me casse! Non, il n'y a pas de bête! J'ai raison! Non! Moi, j'ai mangé McDo!